Bon, ça se prépare ce kit. Mais oui, ça se prépare ce kit. Regarde, non, mais il est beaucoup trop lourd. Encore? Ben oui, encore. Je sais pas ce qu'on fait. Hein. Puis en plus, il va falloir marcher là. Ah, là. Au moins une demi-heure. Trois quarts d'heure. Et en plus, j'ai pas mis mes chaussures. Ouais. Voilà au pied de la petite falaise à descendre pour aller aujourd'hui faire grotte Chalve. On est plutôt en haut de la falaise. Ah oui, pardon, en haut de la petite falaise voilà. À laquelle nous allons descendre pour rejoindre l'entrée de la grotte Roche Chalve. Voilà. Tout à fait. Petite balade à voir aujourd'hui. Alors on a pris des cordes, on ne sait pas comment ordre. Ça va être équipé. Oui. Bon, on verra. Ok, donc allez, on vous emmène. C'est par là. C'est par là. Allez, go. Voilà, l'entrée. Okay. Bon, allez, on a fait ça qu'à l'intérieur. Ouais, on a fait ça qu'à l'intérieur. Bon, on est prêt? Oui. Allez. Descente d'entrée. C'est pour équiper propre. Hein. Bah oui, regarde le petit panneau là. Explos en cours. C'est des passages. Et... Bon. Okay. Si on y allait, passage, si problème d'équipement, machin. Mais ah, je pense que tout est équipé. Ouais, c'est Guissam. Bon, on a laissé les corps, on a juste pris 2 fois 10 mètres. Ouais. On verra. Peut-être. Il est juste là, le puits 5 mètres. Oui. Juste là. Un petit ressort. Bon, c'est un peu laborieux. Tout ça quand même, hein. Ouais. De droite. Thank you.
mes pieds. Passage pot. Ouais, ça doit se remplir en bas. Ouais. Ouais, ouais. C'est pas mal de... Voilà. Ça rejoint direct un autre puits. Oui. C'est un ressaut puits. Un ressaut. Donc merci le Gussin pour l'équipement. C'est au top. Bio top. Tout en douceur, oui, voilà. Les escalades de plein de petits ressauts. Soit là-bas. Soit le petit trou. Là. Ah, c'est fort au fond. Très joli, transparent bleu. Oui, transparent bleu, c'est une nouvelle couleur. Ouais, bonjour, transparent bleu. Marmite en formation.
Ouais, ça devient plus aquatique. Ouais. Et moins sable. Ouais. Voilà, c'est reparti pour aller voir le méandre du courant d'air. Le méandre du courant d'air. Allez, là, du courant d'air, voilà. Alors, ça se passe bien cette remontée? Hein? Ça se passe bien cette remontée? Oui. Voilà. Okay. Allez, suite de l'escalade. Et voilà. Voilà, le bel équipement du GUSM. Bien content. Bien content. Une plaquette toute neuve. Ouais. Perché en haut du méandre du courant d'air qui est assez long. Ouais. Donc en soi, on va peut-être s'arrêter là. C'est certes très joli, hein, mais. C'est très joli, mais un peu longué. Donc, ça continue comme ça, en opposition, il n'y a plus de cordes. Et voilà. Voilà. Donc, bon, ça va, il y a. Un peu de vide. Mais ça va. C'est étroit. Ça. C'est étroit. On restera coincé. Arrête. Bon allez, allez, demi-tour. Fais demi-tour et on va manger. À tout à l'heure. Voilà. Bon, et voilà, je finis la sortie. Et voilà. Alors bon, bah, c'était un peu fastidieux le début quand même. Hein. Ouais. Hein. Mais bon, après c'est joli. Une belle galerie. Une belle galerie et puis le méandre du courant d'air est très joli aussi. Voilà. Ouais, peut-être qu'on y retournera une prochaine fois pour aller voir un peu plus loin. Peut-être. Voilà. Voilà. Ok, bon ben on va sortir, il y a plein de vent, ouais, mais il vent, fait beau là. Quoi. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh mais ça plonge là, c'est par là qu'on... Ça va quoi? Non, non, c'est pas par là, non, 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 non. C'est par là, oui, 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 oui.